Yo les gens, est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous préférez la théorie ou la pratique? Équilibrium aujourd'hui, théorie versus pratique. Donc on va faire un point positif, un point négatif pour chaque. Et on va faire ça très très vite. Un point positif de la théorie, c'est qu'elle est très satisfaisante parce qu'elle paraît parfaite. Et d'ailleurs, elle l'est, mais elle n'est pas dans le monde réel. Mais donc, point positif de la théorie, c'est qu'elle est parfaite. Point négatif de la théorie, en ce qui concerne l'apprentissage, c'est qu'elle ne s'ancre pas d'elle-même. Elle a besoin de pratique pour s'ancrer dans le mental. Quand on apprend quelque chose, si on apprend que la théorie, au bout d'un moment, on va juste saturer et ça ne va plus s'ancrer. On a besoin de la pratique. Point positif de la pratique, c'est qu'elle permet de repérer les problèmes. Parce que justement, comme elle s'ancre dans le monde réel, on voit les limites de la théorie en pratiquant. Point négatif de la pratique, c'est que si on n'a que la pratique, on manque de vue d'ensemble. La théorie, elle permet d'avoir une vue d'ensemble d'un domaine, une vue globale, alors que par la pratique, on est trop focus, on a trop la tête dans le guidon sur ce qu'on est en train de faire à l'instant T, et on n'a pas la vue d'ensemble de la théorie. Voilà, c'était l'équilibrium sur la théorie versus la pratique. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos, à vous abonner à mes autres réseaux, à mettre des commentaires, à faire vivre le truc. Vous connaissez les bails. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Peace.